La toile scout. Bonjour les Blue Monkeys, vous, quel est votre rôle sur le Jamboree? Alors, sur le Jamboree, on anime les veillées et les trois messes du Jamboree. Quand est-ce que le groupe s'est constitué et comment s'est-il constitué surtout? Début d'année scolaire, septembre. On avait avec Olivier eu l'écho de la possibilité de prétendre à jouer sur scène et à postuler en tant que groupe de musique. Et j'ai fait appel avec Marion à des connaissances pour former un groupe. Et donc voilà, j'ai choisi l'instrument qu'il fallait pour un groupe de musique d'animation. Et puis voilà, le groupe s'est formé, ils ont accepté. D'accord. Il faut savoir que le groupe ne se connaissait pas avant et que Clément m'a demandé « Tu connais un pianiste ?» Ok. Un guitariste, ok. Donc c'est un groupe qui s'est constitué pour Phonex. C'est un groupe qui s'est constitué uniquement pour Phonex. Ou pourquoi Blue Monkeys? Alors il y a deux réponses. Il y a la réponse officieuse et la réponse officielle. Tu veux que je commence par laquelle? Celle qui te fait plaisir. Alors l'officielle. L'officiel, c'est que pendant mes études de musique, j'étais à Angers et je faisais des bœufs dans des bars, dont un qui s'appelait le Blue Monkeys. Et quand on a voulu chercher un nom pour le groupe, personne n'avait d'idée. Moi j'ai fait le Blue Monkeys, et donc c'est devenu Blue Monkeys. D'accord. Et du coup, la réponse officieuse, c'est non. Vas-y, ça. C'est vrai pour l'officiel? Ah oui, alors, on est 4 Bretons dans le groupe, et il y a un Basque et un Lyonnais. Et en fait, quand on se rejoint, on vient un peu partout et du coup, on saute un peu comme des fous et du coup, on est des singes bleus, voilà, des singes bleus. Ouais. Non, c'était quand même un petit rapport avec les chemises bleues. Oui. Donc ça tombait bien. C'est cool. Vous répétez depuis combien de temps? Non, pas vu tous les mois du tout. C'est très compliqué parce qu'on a tous une vie à côté, des études, et on habite tout vraiment aux trois coins de la France du coup. Et en fait, ça se faisait des week-ends de répète, c'est-à-dire qu'on commençait le samedi matin à 9h jusqu'au samedi soir à 20h ou 21h. Et pareil le dimanche. On a joué à l'AG aussi, donc on a fait trois week-ends de répète avant l'AG. Et on a fait une semaine de résidence avant de venir au Jamboree. C'est vous qui avez composé La vie en bleu et comment ça s'est passé? J'ai composé un chant qui n'a pas été retenu. Il y a plein d'autres chants qui ont été composés et qui étaient tous super. Mais voilà, celui qui a été retenu, c'est La vie en bleu, qui a été composé par Clémence, la chanteuse des Pop-Ups. La toile scout.